tu as tout ton temps, hein. Tu as tout ton temps de chercher ton mari, le mari que tu veux là. Cherche-le. Bon. Non. Pourquoi elle vomit? Sûrement que c'est pas lui. Le pas lui. C'est lui. C'est deux, son mariage. C'est qui? C'est pas quoi? C'est quoi? Ton neuf, c'est moi. Il est beau. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi? C'est mon grand frère. Il m'a renvoyé de la maison. Calme-toi, calme-toi. Ma chérie, calme-toi. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que je suis à l'âge de me marier. Que d'aller me marier. C'est pourquoi il a fait sortir mes bagages. Oh, attends, ton grand frère là, comment il peut faire ça? C'est pas normal. Mais je t'avais dit de rester avec le jeune homme là. Il cherchait l'argent dans le temps là, façon frichée là. Je t'ai dit de rester avec lui, de souffrir avec lui, ça sera bon après. Tu l'as laissé, il est parti. Allah dit que tu fréquentais là aussi. Tu as fait comment pour Allah dit il est parti? Ah, ma chérie, c'est difficile. Hein? Comment c'est difficile? Comment tu peux faire maintenant? Hein? Comment tu peux faire maintenant? Je n'ai pas où aller. Tu n'as pas un peu d'argent? Allez. Si allez, tu peux me loger pour une semaine, je me suis stressé pour une semaine, je n'ai pas où aller. Chérie, on n'a qu'à essayer de l'aider. Tout le monde est dans le chambre salon ici, oui. C'est juste pour une semaine. Une semaine? Une semaine avec quoi? Ok, cherche quelqu'un quoi, pour la dépanner. La personne a fait des mois, si son grand frère n'a pas trouvé mari, c'est ici qu'il va rester faire une semaine pour trouver mari. C'est ma copine d'enfance. Tu vois, nous restons dans la chambre et restons au salon. Okay. C'est bon? Il n'y a pas de souci alors. Merci beaucoup pour la compréhension. Non. Ma chérie, c'est bon, calme-toi, je vais t'aider. Tu vas rester ici une semaine, mais tu vas devoir rester beaucoup. Au salon. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Tu... Amen, amen. Merci je t'en prie, c'est gratuit. On est ensemble. Tu es plus qu'une amie de moi, tu es ma soeur. Hein? C'est bon. Oh, c'est bon, fils. Bon, chérie. Je suis en train de sortir rapidement. Je vais rencontrer Gisèle rapidement. Aïe, attends. Tu devais me faire manger, non? Comment non, tu veux sortir? Ma copine est là, ma CP, elle va te faire à manger. Ta copine va me faire manger? J'avais déjà discuté de ça avec elle. Et elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que je peux rapidement aller et revenir. Ta copine est venue faire une semaine, là, elle est une table domestique. C'est pas ma domestique, mais j'ai déjà discuté avec elle, elle va m'aider pour aujourd'hui. D'accord. Il faut vite rentrer. Je rentre vite, promis. Tu peux t'apporter le même là. En tout cas, il faut vite rentrer. C'est le pain que mémé m'a donné. Il ne faut pas que quelqu'un va regarder derrière là. Tu sais que je n'aime pas ça. Je sais. Vas-y, vite revenir. D'accord, chérie. Ma copine. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure, ma chérie. Bon, tu vas me faire manger là, non? Parce que là, j'ai faim. Même là, c'est pas mieux. Tu vas sortir pour chercher les mecs parce que rester à la maison, tu vas pas trouver mec. Je veux faire cheveux. Mes cheveux sont bizarres, bizarres aussi. Ah, tu veux faire cheveux? Tu vas faire cheveux là. T'inquiète, je te donne l'argent. Tu vas faire cheveux, d'accord. C'est bon, hein? Merci. Comment j'ai aimé. C'est toi qui a préparé ça là. Oui, mais vraiment. Comment une femme comme toi peut savoir préparer comme ça et n'a pas trouvé de mari? Mais nous les hommes là, nous sommes bizarres. Moi j'ai beaucoup aimé et c'est... Merci beaucoup. Désormais c'est toi qui vas préparer ici. Pendant une semaine là, c'est toi qui vas préparer ici. Moi je vais manger chaque fois. D'accord, pas de problème. D'accord. Viens ramasser le plat, c'est bon. J'ai fini de manger. Merci. Toi-même tu as déjà mangé? Oui, déjà. Je te donne l'argent ce soir, tu vas faire cheveux là. D'accord, merci.
Ouais, il faut envoyer les 500 millions sur mon compte. Chérie. Envoie les 500 millions sur mon compte là, l'ancien compte là. D'accord, tout à l'heure. Je veux te parler du gardien. Il ne fait pas son travail. Comment il ne fait pas son travail? J'ai tapé la porte pendant plus d'une trentaine de minutes. Et quand je suis rentré, que le portail était ouvert, il dormait. Je vais parler avec le propriétaire. Bon, oublions ça d'abord. Je voulais te parler de ma copine là. Et donc, il fait 5 mois ici déjà. Hein? Elle fait 5 mois. Tu as demandé une semaine. La personne fait il y a 5 mois ici. Et même la nuit, elle sort, elle rentre tardivement. Moi, je ne veux rien dire parce que c'est comme si le bâton y en avait. Non, c'est pas ça. Je sais que ça ne te plaît pas. On va l'appeler maintenant, on va lui parler. Moi, ça ne me dit rien. Elle peut rester tant qu'elle veut. Ashley. D'accord. Ashley. Oui. Je t'appelle, viens, faut t'asseoir, on va discuter. Ah, ma chérie. Ah, tu t'es tressée quand même. Tu t'es même tressée, hein? Oui. Tu as quoi? Tu t'es tressée quand? Qui t'a donné l'argent? Tu t'es tressée. C'est toi qui m'as donné l'argent. Ah. Oui, je lui ai donné l'argent, là, parce que comme. Tu sais, comme elle ne trouvait pas mari, là, je lui ai donné l'argent de faire chevilles, là, pas qu'elle dit quoi. Okay. Pour pouvoir vite trouver un mari. Ah, ok, merci, mon chéri. Non. On fait tout pour le tout. Ah. Bon, je voulais te parler. Là, ça fait déjà bientôt 5 mois que tu es ici. Tu n'as trouvé personne. Et tu sors, tu reviens à des heures tardives, des fois le lendemain, quand tu veux. C'est pas bien. Si tu as trouvé quelqu'un, emmène-le, on va en discuter. Il faut amener. Si nous, on va parler du dot là. On va parler du dot, ce qui va donner là. Nous, on va parler. Parce que nous, c'est ici, elle a trouvé Marie. Voilà. Donc, c'est nous, on va parler du dot là. Et pas dot là. Et pas dot là ici. Ici. Il faut amener si tu trouves quelqu'un là. Tu as tout ton temps, hein. Tu as tout ton temps de chercher ton mari, le mari que tu veux là. Cherche-le. D'accord? Et tu amènes. Nous, on va parler. Si c'est bon, on parle avec lui. Si c'est bon. Pourquoi elle vomit? Sûrement que c'est pas lui. Le pas lui. Je savais qu'elle avait quelque chose. Regarde comment elle est, Abyss. Ah, tu l'as fait faire derrière moi, j'espère. Tu fais quoi? Attends. Tu as vu comment elle est pâle? Ça, ce n'est pas le pas lui. Tu as vu comment ses yeux sont limpés comme ça, là? Attends, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi, moi, Julien? Je ne veux pas. Elle n'a qu'à revenir. Comment tu peux dire des trucs comme ça chez moi? Assieds-toi bien. Comment tu peux dire des trucs comme ça chez moi? Viens. Viens par ici. Et ma CP. Je t'ai hébergé ici et tu es venu tomber enceinte. Tu veux voler mon. Ah! Je voyais ça venir. Okay. Et je n'ai pas vite capté. Tu veux voler mon mari. Tu veux détruire mon mariage. Tu veux détruire mon foyer. Si je savais, j'allais faire une vision sur toi. Qui t'a enceinte? C'est le palu. Ce n'est pas le palu. Regarde là. Son ventre pousse. Je n'avais même pas remarqué. Hé! Hey. Qui t'a enceinté? Abyss, c'est toi. Attends, comment? Je voyais ça venir. C'est toi qui l'as enceinté. Comment tu peux dire c'est moi? Quand je sors là, c'est vous seul qui êtes à la maison. C'est toi qui l'as enceinté. Comment tu peux m'accuser comme ça? Quand elle était venue là, moi je pouvais dire qu'elle ne peut pas rester ici. Mais tu as accepté. Mais j'ai accepté parce qu'elle est ta copine. Elle parce qu'elle est ma meilleure amie, parce que tu voulais quelque chose. Toi qui t'es enceinte, je te pose la question. Tu veux me tuer. Hein? Je dis, c'est pas moi. Abyss, tu vas me faire. C'est toi. C'est toi, Abyss, c'est toi. C'est toi. Comment tu peux dire c'est toi. Abyss, maintenant on va prendre une décision. Tu vas prendre une décision. Soit c'est elle, soit c'est moi. Soit tu me gardes, soit c'est elle. Comment soit c'est. Yann, c'est pas fait. C'est pas moi qui a fait. Comment c'est pas toi. C'est pas moi. Où laisse-t-il ton seul à la maison. Attends, je me suis mis dans quoi même. Je me suis mis dans quoi. Hein? C'est pas moi. Comment je peux. Moi-même, je sais. Qui t'a enceinte? Faut te calmer. C'est pas ton mari. Hein? C'est pas lui. C'est pas moi, c'est qui? C'est qui? C'est le gardien. Ah! Attends, le qui est en dehors là? Faut te calmer. Le gardien t'a enceinte. Toi! Tu te vois dans sa catégorie? Attends, donc moi, je te donne l'argent de mèche là. C'est le gardien là, tu es parti donner ça. Hein? Moi, je te donne l'argent de mèche. Moi qui comptais te payer un téléphone, c'est le gardien là. Celui qui fait que dormir là. C'est bien. Que je pensais renvoyer là. Je vais à mes pieds. Moi qui cherchais. Ah.
Moi qui cherche. Sauvez-moi, Joseba.